Bon, je vais vous montrer comment gainer la FS46 de chez LCA avec une thermogaine sans vapeur. Donc si je prends une tresse ordinaire ici, voilà, comme la plupart des tresses, bon, je vous fais un 200 nœuds classique. Voilà, on lui met une petite gaine thermo. Voilà, je vais la passer au briquet. Voilà, donc jusque là, ça va. Par contre, j'ai déjà brûlé ma tresse, vous voyez. Si j'utilise la FS46 base de Kevlar, oui, c'est une tresse extrêmement résistante, extrêmement souple et superbe à manipuler pour faire des montages. Alors ici, hop, je fais la même chose, je prends un bout de tresse, je fais un nœud sans nœud classique pour la démonstration. Voilà, je vais lui mettre un petit bout de gaine thermo. Voilà, et ici je vais renouveler l'opération avec mon briquet. Ouais, vous voyez, et je passe beaucoup plus longtemps. Voilà. Voilà, je peux même passer ma flamme dessus. Voilà. Vous voyez, et la tresse ne bouge pas. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, si je laisse la flamme longtemps dessus, au même endroit, elle va finir par brûler, forcément. D'accord? Voilà. Mais, si vous venez lécher votre tresse, il n'y a aucun souci. Vous pouvez... éviter de faire de la vapeur, contrairement à une tresse classique où là le moindre petit coup de chaleur vous sectionne la tresse. Voilà, pensez-y, FS46, franchement c'est top.